Bonjour à tous, c'est Jenny de la team Berceau Magique. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le point d'accoucher et vous souhaitez allaiter, alors la vidéo d'aujourd'hui devrait vous intéresser. Avant toute chose, vous connaissez la chanson. Je vous invite à jeter un coup d'œil à nos autres vidéos conseils présentes sur notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle. On parle de nombreux sujets et il ne fait aucun doute qu'elles vous aideront dans votre aventure de parent. La playlist se trouve en description de cette vidéo. Alors, l'allaitement. Un sujet complexe, mais qui intéresse énormément de mamans. En effet, il s'agit de la manière la plus naturelle de nourrir bébé et qui présente de nombreux bienfaits, autant pour la mère que pour l'enfant. Au-delà de construire un lien privilégié, le lait maternel reste l'aliment le mieux adapté pour bébé. Si vous souhaitez allaiter, voici nos 10 astuces pour favoriser la production de lait maternel. Astuce numéro 1. Commencez à allaiter le plus tôt possible. Alors ce n'est pas vraiment une astuce qui concerne la production de lait. Néanmoins, il est connu que le fait de réaliser la tétée de bienvenue le plus tôt possible après l'expulsion de bébé favorise le bon déroulement des tétées futures. Mais rassurez-vous, si toutefois la tétée de bienvenue ne peut pas se faire immédiatement, il est quand même possible d'allaiter. Astuce numéro 2. Allaiter pour produire encore plus de lait. Le concept est simple. Plus vous allez allaiter et plus vous allez produire de lait. On vous conseille donc de pratiquer la tétée à la demande. Cela signifie de nourrir bébé dès qu'il le demande, sans limite de fois par jour. En gros, ne nourrissez pas bébé à horaire fixe. Astuce numéro 3. Utilisez un tire-lait. Si par exemple, vous travaillez et vous continuez à allaiter, il peut être intéressant d'utiliser un tire-lait de manière régulière. En effet, comme pour l'astuce précédente, plus vous allez tirer votre lait et plus vous allez en produire. Astuce numéro 4. Mangez des aliments galactogènes. Les aliments galactogènes ont des effets sur la production de lait maternel. On vous recommande notamment les infusions de fenouil et d'anis, le cumin, les amandes, les noix de cajou, la levure de bière, le malt d'orge ou encore le fenugrec. Attention, ce dernier ne doit pas être consommé pendant la grossesse car il peut engendrer des malformations néonatales. Astuce numéro 5. Alternez les seins pendant la même tétée. Pensez bien à proposer les deux seins à bébé lors d'une même tétée. De cette façon, vous pourrez bien stimuler les deux seins. Astuce numéro 6. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, c'est toujours important, mais encore plus quand vous allaitez. On vous recommande donc de boire au moins 2 à 2 litres et demi par jour pour assurer une bonne production de lait. Astuce numéro 7. Massez les seins. Si vous avez vu notre vidéo « Les 10 astuces pour accoucher plus vite », vous savez que la stimulation des seins libère de l'ocytocine. Eh bien, cette ocytocine est une hormone extrêmement importante dans le processus d'allaitement. Astuce numéro 8. Avoir une alimentation adaptée à l'allaitement. Pendant l'allaitement, vous allez avoir besoin de plus de calories parce que vous produisez du lait de manière régulière. Ce processus est très énergivore et si vous ne mangez pas suffisamment, vous allez rapidement vous fatiguer. Or, la fatigue impacte logiquement de manière négative la production de lait. Astuce numéro 9. Gardez une bonne position d'allaitement. La mise au sein est primordiale pour un bon allaitement. Pour que ça ne soit pas douloureux pour la maman et que la lactation soit stimulée, bébé doit placer correctement sa bouche sur le sein, mais il doit également être bien positionné près de sa maman. Astuce numéro 10. Pratiquez le pot à pot et le portage. Ces pratiques sont parfaites pour se détendre, renforcer votre confiance en vous et renforcer le lien entre vous et votre bébé. Le pot à pot permet à bébé de réguler sa température plus facilement, de se sentir en sécurité et d'être plus apaisé. Il sera donc moins fatigué, ce qui amènera une meilleure tétée. Astuce bonus, détendez-vous. Le stress peut bloquer la production d'ocytocine et c'est une hormone primordiale dans le processus d'allaitement. Et surtout, n'oubliez pas que si vous rencontrez la moindre difficulté ou si vous avez le moindre doute, la meilleure chose à faire est de contacter votre sage-femme. Il existe également de nombreuses associations pour vous soutenir et vous aider dans votre allaitement. Et voilà, je vous ai livré toutes mes petites astuces. Je vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse relation avec votre bébé. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Berceau Magique Lifestyle.